Et salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va consister, donc un nouveau tuto comme vous l'avez vu dans le titre, qui va consister à vous expliquer ce qu'il faut savoir, enfin, les trucs les plus importants à savoir dans Minecraft. Donc pas dans le jeu, mais par exemple pour installer des mods et tout, c'est quand même important pour ceux qui veulent. Alors voilà, je vais faire un petit tuto comment mettre des packs de textures et tout. Alors, déjà, pour ouvrir le point Minecraft, vous faites la touche Windows plus R. Ça va vous afficher un petit onglet exécuté. Bon, pour ceux qui ont Windows 7, vous cliquez sur l'onglet Windows en bas. Vous cliquez sur exécuter ou rechercher, je sais plus. Non, sur exécuter, normalement c'est. Et vous tapez pourcentage appdata. Pourcentage. Donc dès que vous avez tapé ça, donc comme à l'écran là, voilà pourcentage appdata pourcentage, voilà. Ensuite vous faites OK, ça ouvre ça. Donc en fait c'est tout entre guillemets tout le logiciel que vous avez entre guillemets. Donc vous allez dans le point Minecraft. Donc là ça ouvre ça va vous ouvrir ça. Alors comment installer des mods? Déjà, avant d'aller dans le fichier mode, il faut que vous ayez des fichiers Forge. Donc Forge, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un entre guillemets un fichier qui va vous permettre de faire de pouvoir mettre des mods dans Minecraft. Donc alors Forge, selon la version du mode 1.6.4, 1.7.2 ou 1.7.4, vous téléchargez la version, mais je vous mettrai les liens Forge. Dont vous aurez besoin. De toute façon, c'est marqué Minecraft 1.6.4, Minecraft 1.6.2. Vous cliquez toujours sur le installeur recommandé parce que c'est le mieux. Donc, vous allez dans votre fichier, vous avez mis vos forges. Donc, moi personnellement, j'ai mis dans forge. Bon, c'est pas là en fait. Ah, si, c'était là. Donc, voilà. Donc, vous aurez. Bon, là, c'est pour les 1.6.4, mais vous aurez. Et 1.6.2, vous aurez ça. Donc, en fait. Vous double-cliquez dessus, ou cliquez une fois, ça dépend si vous avez, comment vous avez configuré votre ordinateur. Vous attendez ça. Dès que vous avez ça, vous faites OK et ça va vous installer Forge sur votre ordinateur. Maintenant, vous faites OK. Bon, moi je l'ai déjà fait donc je fais annuler. Bon, après, si vous avez plusieurs versions, vous faites ça sur toutes les versions. Ensuite, si vous voulez mettre des mods de la 1.7, 1.6.4, de toute façon n'importe quelle version, vous allez dans le fichier mod. Enfin, je sais plus s'il faut d'abord exécuter Minecraft. Bon, faites-le quand même, lancez Minecraft et connectez-vous avec le Forge pour que ça mette le. Je sais plus si le dossier mod y est déjà, mais allez dans Minecraft, allez dans le fichier Forge, que je vais vous faire voir comment on fait tout de suite. Donc moi je le fais, voilà, j'exécute avec Game Booster parce que j'aime bien. Ça change presque rien à mon jeu de toute façon, mais bon, on sait jamais. Voilà, ça va être un peu plus long du coup comme je suis en vidéo. Donc là voilà, donc là vous lancez le launcher. Vous avez juste à double-cliquer dessus si vous n'avez pas Game... Pourquoi j'ai Game Forge moi? Game Booster. Allez, lance-toi. Voilà. Donc là vous avez le launcher. Et pour mettre en version Forge, pour modifier, en fait là, vous faites Edit Profil, vous cliquez sur Use Version Relays, vous cliquez dessus là, sur moi j'ai Optifine, donc vous cliquez dessus, vous descendez, voilà, donc là vous avez les forges. Donc vous sélectionnez votre forge, par exemple si vous faites vous voulez des modes 1.6.4, vous choisissez le 1.6.4, 1.6.2, 1.7.2, etc. etc. Donc voilà, donc vous cliquez dessus, vous faites Save Profile, vous regardez bien si c'est bon, vous faites Play, et ensuite dès que ça vous lance le jeu, essayez de mettre une map solo, de rentrer dedans et de quitter Minecraft. Moi je vais remettre Optifine par contre. Voilà. Donc ensuite vous retournez sur votre point Minecraft. Alors, on va attendre ça. Allez. Dépêche-toi, voilà. Donc, vous allez dans votre point Minecraft, vous cliquez sur le fichier mode. Donc là, déjà, j'ai oublié de l'enlever. Mode Minecraft, ça c'est la 1.6.4, je crois. Voilà. Donc, alors,
Ce que vous avez, en fait, c'est tout simple. Du coup, comme vous avez, vous avez fichier mode, vous sélectionnez un mode 1.6.4 par exemple que vous voulez. Donc, je sais pas, on va choisir Inventory Tweaks, non pas Inventory Tweaks, quelque chose qui se voit tout de suite, pas très gros non plus. Bon, allez, on va. Domaine Indicator. Donc voilà. Donc là, vous faites glisser vos modes, n'importe quel mode. Bon, moi, après, mon ordi, il supporte pas les gros modes avec d'autres modes. Par exemple, si je veux installer, je sais pas, un gros mode Pixelmon, oui, Pixelmon, avec, je sais pas, Inventory Tweaks et tout, ça voudra pas. Ça voudra. Si j'installe Pixelmon seul, ça marchera. Mais sinon, avec d'autres modes, moi personnellement, ça marche pas parce que j'ai peut-être pas assez de RAM ou mon PC n'est pas assez puissant, mais je pense plutôt que c'est les RAM. Donc ensuite, dès que vous avez installé, dès que vous avez mis vos modes, bon bien sûr, c'est des ou des points jar ou des points zip ou rare, ça dépend. Jamais de vous devez pas extraire, hein, ça sert à rien. Donc voilà. Donc ensuite, dès que vous avez ça, vous avez le mode installé. Donc on verra ça plus tard. On y reviendra vers la fin, hein, je vous ferai voir dans le jeu ce que ça donne. Alors ensuite, pour installer un ressource pack ou texture pack, hein, ça marche pour les deux. Donc on va commencer par le texture pack. Déjà, hop. Ouais. Ouais. Donc vous cliquez, vous cherchez votre texture pack, donc il est là. Vous prenez pas le MP cache, mais le texture pack. Cliquez dessus. Vous voyez que c'est un dossier vide. Donc en fait, vous prenez un texture pack que vous voulez, donc moi je choisis n'importe lequel, et vous le faites glisser, oui c'est ça, c'est toujours en fichier rare ou zip, et jamais de jar sur celui-là, toujours rare ou zip, pardon. Donc on va pas installer celui-là, j'en ai pas de... De toute façon, texture pack, personne n'en utilise maintenant, parce que maintenant les versions sont passées en ressource pack. Mais bon, si vous voulez faire ça, vous faites glisser comme les mods, et puis voilà. Là, on va enlever du texture parce que ça sert à rien, je pourrais pas vous le montrer. Ensuite, pour les ressources pack, là je vais pouvoir vous le montrer. Donc, vous cliquez sur ressources pack et vous voyez que ben, moi j'en ai déjà, mais par exemple, si je veux mettre dans des lions, hop, je fais glisser dans des lions. Voilà. Aussi, j'ai créé mon propre texture pack, donc je me suis inspiré de plusieurs packs de texture. Donc, j'ai pris quelques items par-ci par-là. J'ai pris surtout du faceful, mais bon, j'ai modifié l'eau et tout. Donc je vous le ferai voir. Je le mettrai pas en téléchargement pour l'instant parce que d'une, l'image que j'ai voulu mettre, alors si vous avez une astuce, ne veut pas s'afficher, ça met toujours l'image du pack du bah, l'image du pack default. Donc je sais pas si vous voyez, c'est du Minecraft tout simplement, c'est une petite plage je crois, truc comme ça. Donc bref. Je vous montrerai pas, enfin peut-être pas dans cette vidéo, mais peut-être dans une autre, je verrai si je trouve ça utile ou alors si certains des abonnés, enfin si vous voulez que je le fasse, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas aujourd'hui je vous montrerai pas. Je vous montrerai juste à installer un ressource pack. Enfin installer, oui, c'est pas bien dur. Donc vous faites glisser comme je vous l'ai dit, donc voilà, après dès que vous avez fini, je vous ferai voir ça sur Minecraft juste après. Alors ensuite. Comment installer une map? Alors ça c'est pas plus compliqué, mais bon après c'est non, en fait c'est pas du tout compliqué. Vous allez dans Minecraft, enfin point Minecraft, vous revenez dans point Minecraft, vous allez dans Save. Et là vous voyez par contre que là c'est des dossiers. Donc en fait déjà, hop, ça on va l'enlever. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Map Minecraft, The Library. Map Minecraft. Donc vous allez dans votre fichier Map Minecraft que vous voulez mettre. Donc là vous avez les maps que vous voulez. Et par exemple vous voulez, je sais pas, on va mettre laquelle, une petite map assez sympa, une petite map. Bon allez, projet Kanto, allez hop, ça c'est fait. Projet Kanto, donc vous la faites glisser, enfin c'est le plus simple, vous faites extraire ici avec bien sûr il vous faut WinRAR, donc je vous le mettrai dans le lien de la description, extraire ici, hop là, donc là vous attendez que ça extrait, hop, donc là vous avez la map en
Voilà, donc là en fichier, donc ensuite vous pouvez remettre votre rare dans vos maps. Et vous avez la map, donc après il vous restera plus qu'à vérifier, mais avant ça, avant de vérifier, on va voir si, je me souviens plus, si il y a quelque chose d'utile. Les shaders, je vous fais pas voir parce qu'il faut installer le mode et tout, c'est un peu plus long. Non, bah je crois que c'est bon, j'ai plus rien à vous montrer. On va basculer sur Minecraft. Et on se retrouve sur Minecraft. Donc vous n'avez rien vu, mais il s'est bien passé une dizaine de minutes. Donc comme vous le voyez, il n'y a plus. Donc là, je suis sur le. Comment on peut appeler ça? L'accueil de Minecraft, entre guillemets. Donc là, il n'y a plus que solo et multijoueur. Il y a aussi mod. Donc ça veut dire que votre forge a bien marché. Donc comme je vous l'ai dit, il faut d'abord mettre sur forge et pas seulement sur Minecraft 1.6.4. Il faut mettre sur Minecraft 1.6.4 forge. Comme je vous l'ai montré sur le Minecraft. Donc vous pouvez cliquer sur mod. Comme vous voyez, normalement, il n'y a que 3 mods si vous installez pas de mod. Et là, comme j'ai installé Damage Indicator, il y en a 4. Donc au départ, vous avez ça. Mais il n'y a pas de mode si vous mettez pas de mode, pardon. Mais comme j'ai installé un mode, Damage Indicator, il y a 4 modes. Alors, aussi, donc vous allez aller. Bah, je vais aller du coup. On va aller dans la map pour voir si elle a bien marché. Donc vous sélectionnez la map que vous avez mis. Comment ça a dû marcher? Petit freeze. Voilà, donc Damage Indicator, ça met que Move Enable, Potion Effect Enable, Pop-Off Enable. Ok, d'accord, pourquoi pas. On peut pas se mettre en game mode. Ah, il y a un mouton là-bas. On peut pas sprinter. Ah oui, je suis en 1.6.4. Donc là, on va voir si ça marche. Normalement, ça va afficher la barre de vie. Ah ouais, d'accord, c'est peut-être parce que c'est sur une map. Ok. Je sais pourquoi. On va prendre cette map du coup. Voilà, on va prendre celle-là, la World. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, je suis. Dans le vide, pourquoi pas. Ah oui, c'est un map. Ah. C'est la map. Royal Cube. Je suis en quoi là? Option paisible. Difficile, ça va spawner normalement. Ah bah au pire, il y a les ânes en bas. On va vérifier tout de suite si ça marche. Normalement, ça aurait dû marcher, hein, mais bon, après. Peut-être parce que c'était une map compatible avec Pixelmon. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais ça affiche pas leur barre de vie, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, pour installer un. Enfin, pour mettre le pack de texture, vous faites échappe, option. Enfin, ouais, je sais plus comment on dit option en anglais, parce que normalement, j'ai déjà en anglais, mais je sais pas pourquoi, je l'ai plus. Ressources pack, normalement, c'est marqué. Et là, tout dépend de la version que vous avez. Si vous avez la version 1.6.1.7.4 ou 1.7.2, vous avez les modes non installés à gauche et les modes installés à droite. Donc pour les installer à gauche, vous voyez une petite flèche, vous cliquez sur une flèche qui mène vers la droite et ça va installer, enfin ça va pas installer, ça va vous mettre le pack de texture. Mais sur l'1.6.4, on va tout simplement sélectionner mon pack de texture. Donc voilà le Dark Pack, comme je vous l'ai dit, ça met l'image du pack par défaut. Donc ensuite vous faites terminer, terminer, et voilà, donc là vous avez votre pack de texture que vous avez installé, donc ça c'est sympa. Ensuite, je voulais vous faire voir quoi. Pourquoi j'ai plus de. Bref. Le mode, pack de texture. Bah je me souviens plus. D'accord, tout à fait. Alors on va vérifier ça, désolé. La map, le mode, le pack de texture. Bah voilà, donc c'est à peu près tout. Donc la map marche. What? Ah oui, parce qu'on a un 1.6.4 aussi, je me disais. Donc la map marche. Le pack de texture marche. Et le mode marche.
Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a quand même été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires ou sur Twitter. Je regarde de temps en temps maintenant. Je m'y suis mis un peu. Vous voyez, l'eau, elle est quand même déjà beaucoup mieux que la basique. Hein, mais bon, bref. N'hésitez pas, voilà, donc à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.